Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du Donjon de Nullbuck. Nous courons dans des couloirs. Je sais même plus pourquoi. Qu'est-ce que je fous ici, moi? Oui, oui, vas-y. T'as gala, Zouzou. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, trouver les tréfonds d'Ulrich, le prisonnier nain. Bien sûr, évident. Vous vous en rappelez, parce que moi je m'en rappelle. Voici, c'est la porte vers les tréfonds d'Ulrich. Je vais l'ouvrir et nous pourrons accéder à une partie secrète des catacombes du donjon. Pas de blague. Ou on vous transforme en goutti pour ogre mélomane. Akala miam miam nabos. Soyez sans crainte, je n'ai qu'une parole. C'est pour ça qu'il m'arrive de la reprendre, pour pouvoir la redonner. Je pense que l'ogre a tout dit. C'est un niveau de bourrinisme. C'est des nains de métal. Ah, repositionnement de caméra pour la descendre dans les tréfonds de l'enfer. Ah, la musique du rempailleur de chaises en bois, quoi. J'avais jamais fait gaffe au voleur qui est dans le four. Voleur qui est caché dans... J'avais jamais fait gaffe au voleur caché dans le four. Très drôle, leur ratatouille, évidemment, tout ça. Très drôle. Chapitre 7ème. Les tréfonds d'Ulrich. Les portes secrètes des tréfonds d'Ulrich s'ouvrent sur une mystérieuse et interminable descente dans les profondeurs de la terre de Fang. C'est long, ces escaliers. Ça ruine les genoux. Surtout qu'il faudra tout remonter après. Au Viet. Dans ces souterrains mystérieux, loin sous le donjon de Nullbuck, résident les terribles nains du chaos, dont le peuple se tourna voici des siècles vers de sombres puissances démoniaques. Ah, c'est bon d'être chez soi. Ah, on respire mieux là-dessous. J'ai peur. Nous ferions bien de ne pas traîner ici. Un instant, on vous a ramené dans votre trou. On peut voir l'enclume magique? Il dit qu'il a un mauvais pressentiment. Pas si vite, mes gaillards. Eh, hey, mais d'où ils sortent ceux-là? Misère, encore d'autres nains du chaos. J'allais le dire. Est-il présomptueux de vous demander qui vous êtes? Je suis Narzatok le Velu, roi des tréfonds d'Ulrich, protecteur de l'enclume et commandeur des Templiers de la très longue barbe. Tu ne mérites plus d'être roi, usurpateur! Silence, sale renégat! Bien, je vois que vous nous avez amené le traître. Vous allez nous le livrer contre une récompense. Jamais! Mes compagnons vont vous éviscérer, toi et tes sbires galeux! Oula, on va se calmer là! Soyons rusés, ils sont nombreux et armés jusqu'aux barbes. Ce sont des nains du chaos, ils sont méchants et menteurs. Bah comme tous les nains, non? Poufias! Fils de tabouret! Tuons-le! Alors, faut-il que nous séparions le prisonnier de vos cadavres encore chauds? Non, non, on va vous livrer le prisonnier! Quoi? Sale traître! C'est de la ruse. On viendra vous chercher après. Bon, et comme récompense? Comme récompense? Nous vous épargnions pour avoir pénétré sans invitation dans la sublime mine des tréfonds d'Ulrich. C'est bien aussi, oui. Garde, emmenez ce scélérat en prison. J'espère que votre plan fonctionnera. Maudit soyez-vous, non! Laissez-moi, non! Attendez, nous cherchons une enclume. Magique, une enclume magique. Nous vénérons la grosse enclume. L'incarnation de notre dieu primordial. De la forge du chaos. Oui, ça doit être quelque chose comme ça qu'il nous faut. On peut la voir? Seuls les nains du chaos sont autorisés à se tenir en sa présence. Nous sommes prêts à faire beaucoup de choses en échange de quelques instants devant une telle divinité. Intéressant. J'aime les mercenaires sans scrupules. Passez à la salle du trône et nous discuterons. D'ici là, je vais envoyer ce traître moisir dans un cachot en attendant sa sentence.
Surprenant. Je m'attendais pas à quitter le donjon de Nullbug pour entrer dans une mine naine. Ce n'était pas très impressionnant comme négociation. Trouillard! Ils ont la seule enclume magique qui puisse nous servir. Je n'allais tout de même pas les menacer, si? C'est pas faux. Et on va aller chercher Brastok. On verra. Un couloir. Ok. L'endroit est stylé, hein. Je profite de l'endroit, hein. Excusez-moi. Porte fermée. Je peux regarder, quelqu'un a passé un niveau ou pas? Je sais même pas. Je suis en train de chill, je suis en train de mongoliser. Ah, ils font tous la gueule, ils sont pas bien mes gars. D'accord, va falloir trouver une taverne. Hein. Ok, porte verrouillée. Petit jardin là. Bah, ça ouvre pas 50 accès, ouais c'est ça, je pense que tant qu'on sera pas allé à la salle du trône, tout sera verrouillé. Le thème musical est cool aussi. Hein. Je sens que je suis en train d'aller partout sauf là où il faut aller, hein. C'est bon pour vous. Moi c'est bon pour moi. Hein. Par contre, les gars, je vous ai raconté l'histoire de la grande grève du syndicat des charcutiers en 503 du premier âge. Non, mais j'avoue, ça va être super intéressant, l'histoire de la grève des charcutiers en 503 avant le premier âge. Ça va forcément être incroyable, comme histoire. Oh, ça sent la bagarre. Oh, ça sent la bagarre. Je peux pas me permettre de me battre. Ah, une taverne, vite. Nice. Se reposer. 300 balles. Le repos, j'ai mal. Discuter. Les stocks sont bas, mais les prix sont hauts. Évidemment. C'est un bon nain. Charge du taureau. Deux de force là? Non, non, attendez. Attendez, excusez-moi. On est en train de proposer de prendre 2 de force là. 2 de force. Ouais, je pense que c'est acheté. Hein. Non, pas mon or. Ah si, mais là, il faut que le pognon disparaisse, mon ami. Soin donné, moins 15, soin reçu, plus 15, impact physique 3. Ça donne moins de soins, ça reçoit plus de soins. Moi, j'aurais mis ça à l'ogre, hein. J'aurais mis ça sur mon ogre. Ça aurait été pas mal. En tous les cas, l'argent doit circuler. Protection moins 5 de force. Je vais devoir le prendre. Hein. J'espère que ce sera un investissement utile. La bague de la... C'est pris. Putain, mais ces anneaux, incroyables quoi. Je peux plus. Bombe de bière. Mais non... Sont générés. Attends, non, une bouteille refermée avec du... refermentée avec du miel. Les levures sont ont généré une grosse quantité de gaz sous pression. Peut envoyer des éclats tranchants et de la bière collante tout autour à l'impact. C'est très drôle ça. Des shirtos. Fameux bonbon nain. Collier de résistance à l'ivresse. Plus de. Oh là là, mais putain, j'ai pas assez de thunes quoi. Oh, les chances de coups critiques qui traînent là comme ça là. Oh, du jambon noir des forêts. Ah non, mais dis-moi que je peux m'en acheter quand même un ou deux, là. Je peux en acheter 10. C'est maintenant qu'on donne des pièces d'or. Oh, je suis en train de refaire mon ogre comme jamais. Oh, j'ai des jambons légendaires pour toi, après. Hein. Un truc qui met des gifs de berserk, là. Moins d'armure, plus de force. Remplacement 2, je crois. Sur 1, il avait de la précision physique. Ce qui est bien. C'est une bonne, c'est un bon truc. Plus de résistance, plus de mouvement. Oh là là, non mais attends, qu'est-ce qu'il porte déjà l'ogre? De la constite. Non, ça, je vais mettre ça sur mon barbare. Ah, c'est mon sac. Sur mon bar, oui, au bar. Ça va poutrer grave. De ouf, mec. On va tous t'en casser la gueule. On va leur savater la tronche. Ça va être bien.
C'est quoi, je pourrais presque même lui mettre à lui direct. Ouais, ouais, c'est très bien en fait. Ça part en emplacement 1. Ah, ou alors je le combote avec ton précédent anneau, attends. Et je le mets à la place de l'adresse. Ah, cool. Chrome a le même chez lui. Chrome a le même chez lui, putain. Il est con. Il est con comme un barbare. Attention à mes livres. Si ça sent, c'est mes bottes. J'avais pas pris d'autres stuff là. Constite. Non, courage. Ok, courage, courage, celle que je viens de dégager. Shimash Tostadum, protection, résistance magie. T'as quoi là actuellement? Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Ça serait pas dû à vendre ta robe de Tostadum là? Elle est où? La robe de l'archimage Tostadum. Pourquoi tu me la compares à tes anneaux? Allô? Oui, non, c'est bon. Protection 3, intelligence 3. Ah oui, mais moi je préfère garder de l'intelligence. T'es fou malade. Hein. La sorcière, elle garde son intelligence. Commercer. Non, mais ce nain m'a ratissé mon pognon, quoi. Mais vraiment, quoi. Ok. On va quand même garder les jambons par respect. Les saucisses aussi. Ah, j'ai déjà plus rien. J'ai plus rien à lui vendre. Ah, mais il a encore des trucs cool à lui acheter. Ah, ça me fait mal. Ça c'était trop bien. Ça, si je voulais mettre ça sur mon barbare, ça aurait été incroyable. Ça aurait été magique, quoi. J'aurais eu un barbare, mais magique. 2 de constit, 3 de résistance physique. Je crois que j'ai déjà ça sur l'ogre. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est de la bonne bague, hein. Enfin, c'est du bon collier. C'est du bon collier, j'aurais pu mettre ça sur mon nain aussi. Ça aurait été pas mal. Quoique c'est cool. Il avait son truc sur le crit. Sur mon voleur, ça aurait été pas trop... Sur mon voleur, ça aurait été méga top même. 5004, c'est beaucoup. Faut que je revienne pour lui acheter la bague. Faudra revenir. Là, y a pas le choix, faut revenir. Là, faut revenir. Merci, Nabo du Chaos. C'est un cul de sac. Je vais d'abord voir si je peux ouvrir cette porte. Bien sûr. Oui. Qu'y a-t-il donc ici? Ça a l'air d'être un bon gros casernement. Normalement c'est tape pour vérifier ce qu'on peut chourer. Visiblement rien du tout. C'est du repérage avant que ça dégénère. Ok, on est bon. Votre malveillante splendeur, il nous faut des renforts. Nous ne tiendrons pas longtemps. Les portes sont encore solides et les renforts sont en route. Le contrat est signé. Les golems seront là bientôt. Tout de même, lumineux éventreur, ces golems sont fabriqués par des gobelins. Le mercenaire qui les emploie n'est pas un gobelin. Donne-moi plutôt des nouvelles de notre armée, au lieu de geindre comme une pucelle. Ils sont toujours au loin dans les tunnels de l'ouest, radieux et tripeurs. Ils sont sans doute... Tiens, qui sont ces gens? Ah, très bien. Approchez. Ils font partie des renforts, justement. Merci. Bonjour, votre... Majesté. On dit majesté à un roi. C'est sûr qu'on ne va pas dire votre grandeur. Quoi? Mais bouclez-la, les baltringues! Rien, rien. Nous sommes ravis d'être là. Enfin, la plupart d'entre nous. Par les poils de la barbe du père des nains, vous tombez à pic. Nous allons parler de ce que vous pouvez faire pour nous. Ah, parfait, d'accord. Faut pas dire oui à un nain du chaos sans avoir demandé précisément ce qu'il veut. Oui, bon, on a dit qu'on cherchait à les amadouer. Et sinon, vous nous engagez pour quoi? Peut-être qu'il veut des conseils en décoration pour sa maison. Votre Majesté! C'est horrible! Les portes! Les portes! Eh bien quoi, les portes? Qu'est-ce qu'elles ont, les portes? Ils sont ouvertes! C'est inexplicable! Les Trogiloks, ils vont nous massacrer! Plus rien ne les arrêtera! Ils ont étripé nos arbalétriers! Vous, je vous engage, peu importe vos tarifs, vous devez aller immédiatement arrêter ces monstres! Baston! Des Trogiloks, vous dites? Ouais, des orques albinos des profondeurs. Ils vivent dans des tunnels sans lumière et mangent les moisissures qui poussent sur les cadavres de leurs ennemis. Bah!
Ne traînez pas, filez aux portes à l'ouest. Elles doivent être refermées au plus vite. Au sujet de l'enclume. Plus tard, je dois aller rassembler ma garde prétorienne. Ouais, il doit aller perdre ses couilles, quoi. Tac, ok. On peut descendre encore plus profond, là? Ah, on peut pas, ok. Mais on a l'étage suivant sous la mine encore. C'est incroyable, hein. Bravo! Encore une négociation bien menée. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. J'ai pas mis tous mes points en diplomatie avec les races souterraines. Il faut poutrer les Trogilork. Allez! Oh, y'a vol, y'a vol. Yes, yes, yes. Pas de loot. Non. Donnez-moi un loot. Dites-moi que j'ai pas ouvert une porte pour rien. Oui! Une boîte! Je sais pas si on a le droit. Ce n'est pas à nous. Des gantelets pour machin, des greffes de nains, de la picole. Tout prendre. Allons voir comment on peut équiper notre ranger. Zut, hein. C'est le foutoir là-dedans. Oh bah oui. Au moins, avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. Ça, quel plaisir, même. Excellent. Alors ça refait, hein. Oui, il y a une porte ici. Est-ce que maintenant, en fait, on a le droit d'ouvrir toutes les portes? C'est ça le beans? Trop bien. Ouais. Il veut pas parce que je la vois pas. Ok, super. Alors, y'a de l'or là-dedans? Une cagoule pour voleur et encore des bottes pour ranger. Allons voir ça tout de suite. Tac, 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 tac. Protection 1, courage 2, mouvement 1. Ah, j'aime bien celle qu'il a actuellement. Elles sont un peu mieux. Je remplace son charisme par du courage. Donc je jouerai plus vite. Ça m'intéresse pas forcément, il a déjà une bonne initiative le ranger, je pense pas que ce soit utile d'aller chercher beaucoup plus. Je suis toujours le plus démuni. Protection 3, on passe en adresse 2. Ouais, on est d'accord. Merci, c'est vraiment pour moi? Oh ouais, c'est vraiment pour toi mon gars. Et sinon on a des trucs à lire sur les nains. Grève et mouvements sociaux chez les nains. Il faut bien comprendre ici que les nains sont des précurseurs en matière de conflits sociaux. Ils ont été à la pointe de toutes les découvertes majeures dans ces domaines, ayant compris très tôt qu'il était nécessaire de s'organiser pour pouvoir efficacement râler contre leurs prochains. Depuis la nuit des temps, ils se plaignent ainsi de tout et de rien, agissant la moitié du temps par besoin de s'affirmer et l'autre moitié par appât du gain. Incroyable. Grève et mouvement main, chapitre 4 bien sûr, mon 4 aussi. Les nains grévistes ne tardèrent pas à être rejoints par le syndicat de maintenance des ascenseurs, puis par la coalition des poseurs de rails et la société des tailleurs de gemmes rares. D'une grève à l'autre, cette réaction en chaîne aboutit finalement à une cessation quasi générale de toutes les activités artisanales ou industrielles des nains à tous les étages et dans tous les corps de métier de la mine. C'est terrible. Et là, c'est dommage, je les ai pas dans l'ordre, donc on peut pas les lire dans l'ordre. Oh, c'est sad. Allons trouver un autre bouquin, vite. Là-dedans, vite, il y a forcément un bouquin. Il y a un levier. Ok. Et une porte. Pour ça, faut activer l'autre levier. Qui serait, semblerait-il, dans une autre pièce. Avec des armes au mur. Bon, c'est pas ici. Là. Casernement, lit. Vue. Assaut. Oh mince. J'étais dans mon village, j'arrive par les chaises en bois. Mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. Hop là. Ok.
caméra est un peu taquine. La caserne, elle est là. Ah, j'avais donc pas le droit de fouiller jusqu'à ce que. Allons-y. On a looté un nouveau bouquin. Grève et mouvements sociaux, le chapitre 2. Ainsi, la fameuse grève du syndicat des charcutiers en 503 du premier âge fut initiée par le cuisinier Frodil, qui déclara un beau jour que son travail était trop pénible et à cause de la chaleur des marmites et des fours. Ce désordre fut suivi de peu par la grève du conglomérat des boulangers amicaux et celle de l'association véhiculée des négociants en port, touchés par la baisse d'activité liée au débrayage des précédents. Ah, terrible, terrible. Les nains qui sont déjà dans une économie si complexe. Ok. Est apparu dans une mine. Bon, on va y aller, hein. De toute façon, on va être bon pour se recogner toutes les pièces, hein. Pon, 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 à côté de la porte principale, ça. Ça pon, 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 côté porte principale. On va faire un petit tour chez l'aubergiste vite fait, voir s'il y a un truc ou deux à looter. Genre un tonneau, une merde, un machin. Lui vendre mes merdouilles. On n'avance pas. Hein. On avance pas, mais on découvre une cité, c'est normal. Commercer. Vite, monsieur, faut que je vous vende des merdes. Voilà. Oui, c'est vendu. C'est du beau matos, mais c'est vendu quand même. Et en thune, 8000 goldas, on peut donc acheter la bague de la reine. Ça, c'est pris. Il nous restera encore un collier, je crois, à prendre, ou une bague, je sais plus. Et l'idée, c'était de la mettre sur toi, je crois. Hein. Force 1, constite 1, adresse 1. Ah, mais non! Il y a de l'adresse. Le soin par victime dégage. Soin reçu plus 25. 3 d'impact au physique. Elle rendrait bien sur l'ogre, hein, cette bague. Hein. Elle rendrait bien sur l'ogre. Mais bon, fallait faire des choix. Ah, quoi, c'est vrai que je pourrais inverser. On pourrait vraiment les maxer, parce que moi je suis en train d'essayer de les équilibrer. Mais en vrai, déséquipe ça. On va devoir toi. Tube équipe à la place de la première. Ton anneau du berserk. Et l'anneau de l'égoïsme. Mince, je t'enlève un anneau. Je vais enlever un anneau. Voilà. Et la gourmette du vampirisme, plutôt. Excusez-moi. Hop là, voilà. Ta 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 ta. Une gorgée de café quand même. Et pas des sauvages. Allez, let's go. Pour moi, c'était censé être par là, son machin. Je crois que c'est le seul endroit où il y avait une enclume. Clonk, 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 clonk. Non, peut-être pas, hein. Peut-être ben que non, hein. C'était où? Oh, il y a une porte là. Il y a une porte, il y a une porte. C'est fermé, revenez plus tard. Let's go. Cette porte peut être ouverte. Ah non, sad. Cette porte est malheureusement ouverte. Laissons-la ici. Ça aurait été où? Alors, que je mette la carte à jour. Est-ce que c'était dans une des pièces de la du palais, là, dans une des deux? J'aurais fallu que je fasse demi-tour et que j'y revienne. Pas impossible, hein.
on va revenir. On revient ici, sinon on ira se taper. Sinon on va faire la bagarre. Allons à la recherche d'un marteau qui bing. Je me rappelle pas d'un marteau qui bing dans la Royal Salle. Ouais. Ça bing pas ici, ça bing pas par là. Donc c'est là où il y a les méchants. Et les orques boches. Respecter là-bas. Ou c'est derrière une porte fermée que je dont je ne peux pas voir dont je ne peux pas accéder pour l'instant. La musique est vraiment cool. Tape des dents. Tac 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 tac. J'ai ouvert les portes, il est trop tard. Vous entendez? Il dit qu'il est trop tard. Le plus simple est de rebrousser chemin. Vite! Il n'est jamais trop tard contre les peaux vertes. Je croyais qu'ils étaient albinos. C'est pas vert, c'est blanc. Les orques, c'est comme les poireaux. Dehors, c'est vert. Sous la terre, c'est blanc. Il dit que c'est bon. La soupe aux poireaux avec des orques dedans. C'est pas le moment de parler potage. À l'assaut! Ouais! Ok, c'est parti pour la bagarre. Condition de victoire, vaincre tous les ennemis, activer le levier au bout du pont pour fermer la grille et stopper l'arrivée des renforts. Les trous gilorques sont sensibles à la lumière, allumer les torches du pont les affaiblira. Donc faire sauter des trucs et des machins partout quoi. D'accord. Il me faut des gros devant là. Faut arrêter vos conneries. Toi recule, une tarlouse. Fous-moi un nain au milieu là, parfait. Un barbare. Un barbare. Ok. Ok. On est sur une formation compacte avant tout hein. Sale humain! Ça va se passer très très facilement, vous allez voir. Il me suffit pour cela de faire des dingueries. Genre, hop! Sursaut d'adrénaline. Tac! Courir par ici. Déclencher une lumière. Lancer la protection sur les alliés. Moi ça me plaît bien parce que ça va faire tout sauter donc ça me va. Toga, voilà, Zom cassé. Ah ça a pas tout pété. À moi. Une petite force des orques pour tout le monde hein. Quelqu'un veut encore une petite force des orques? Une petite force des orques par-ci, une petite force des orques par-là. Salut, je suis le ranger de Loubet. Je peux viser ça? Ah, je peux pas viser ça. 114%. Ah, c'est trop tentant, hein. Vas-y. Mais c'est vous ! Ah, il est efficace. Tac.
la quête incendiée et tout. Ouais, mais je vais foutre le feu à mon nain. Ça m'intéresse pas de mettre le feu à mon nain. J'ai donc envoyé mon nain tranquille. Ceci est un nain. À moi! Ah, bien vu. Bien vu le poussage de gars. Bien, bien, bien. What, la vitesse de cet ogre? Une attaque à distance qui détruit automatiquement l'objet. Vas-y. Déjà été touché, donc ça n'a pas d'intérêt. Ça a pas d'intérêt, juste abasse-le normalement. Bien que tu lances ça à quelle distance? Ah, c'est du mono-cible, pas très intéressant. Pas très très intéressant. Oh, je suis d'accord. Hein. Impressionnant. Eh ben, c'était pas hyper impressionnant. Désolé de te dire ça, mais... c'était pas dingue. Ah ok, ils ont buté leur pote carrément. Ah ouais, wow, les archers 4 de vigilance, là. Oh, il est chaud. Oh, moi, je veux des orcs comme ça dans mon équipe. Comme ça, il y en a un qui est en vigilance, l'autre qui pousse. Avec son tir, c'est incroyable. Aïe. Aïe. Bon, je sais pas trop si t'as besoin maintenant de la potion d'adresse en vrai. 91%, c'est très bien. Bah, c'est que c'est devenu un archer, hein. Tac. Tac. Bonjour, bonjour. Alors, qui va se prendre sa petite flèche empoisonnée? Qui est le prochain à jouer? Toi. Allez, ça me fait plaisir, c'est pour toi. Exactement comme il dit le nain. Et merde. Eh, enflammé pour enflammer. Eh, je cours sur combien là? 1, 2. Oh, tout ça. Donc si je me mets là. Il y en aura pour tout le monde. Oh, il s'est enlevé le poison là? Il s'est enlevé le poison. Putain. Vraiment. Quelle indignité. Ouais, je peux toucher beaucoup de monde si je bouge. Mais est-ce que c'est vraiment l'intérêt? Je pense que l'intérêt, c'est de commencer par soigner tout de suite. Genre, toi, t'as... ouais. Ouais, ouais. Je pense, j'avance. Après, on voit. Ah, j'ai pas d'attaque à distance, bien joué. J'ai pas le choix. Je vais être obligé de me manger tous ces dégâts, l'autre con. C'est bien vu, hein. C'est bien vu. Moins 40 PV. Ah oui, quand même. Ça tape un peu.
Eh ben, let's tong. Ça fait quand même un gros pack, hein. Oh, le levier, il est vraiment de l'autre côté du pont, quoi. La misère. Ok, ils ont donc deux renforts prêts à arriver. Ah, et si je bouge, il y en a en vigilance au fond, d'accord. Et ben, on va le toucher direct, hein. Hop, suppression de la vigilance. Voilà. Et ben, on va continuer à se rapprocher avec elle, hein. Gentiment. Barrage d'acier, ils se sont tous placés de manière à ce que je puisse pas l'utiliser. Ça fait quoi déjà? Permet d'enchaîner jusqu'à 3 attaques consécutives. Ta. Je peux bourrer un gars comme un gros tarde. Lui là il est quasiment mort. Ça peut être intéressant d'aller le visiter. Hop, bonjour. Je peux réattaquer tout de suite. Par rapport à la précédente. C'est tout ce que je fais comme dégâts avec lui? Non, c'est une blague. C'est une blague. T'empêcher de bouger, toi. Oh. Aïe, les nains n'ont jamais mal. Ça me va. Hop, hop. Je peux quitter mon close. Torgnole, passons, Gurly. J'ai pris tellement un crit en pleine face. C'est ok, viens ici. On va cramer celui-là. Voilà. On va plus en parler. Bah, je le gifle de Namzar, c'est très bien. Luma, Agbo, mon merde. Ça c'est un ogre. Et ça c'est un ogre qui pousse. Même pas en rêve. Qu'est-ce qui tank par contre le nain? C'est une dinguerie. Ah ouais, ça y va à coup de 2 les renforts. Pff, ouais, doucement. Hein. Doucement les gars à un moment donné. Hein. Lui il est intact. Allons le voir. Pop pop pop. Plein d'espoir. Le premier coup est pour moi.
mort les peaux vertes. Allez, let's go. Oh putain, le tir qui est parti n'importe comment. Je ne suis pas là. C'est petit, c'est bourrin, c'est super méga bien. Et paf! Dégage! Et merde! Hein? J'ai pris un contre dans la face? Ça craint! Je crame! Bon bah tant pis, je prends mon main dedans. Toga, voilà! Ce n'est pas la bonne façon de faire. Sauf si on veut aider nos ennemis, bien entendu. Dans tes rêves! Ok, Est-ce qu'on partirait pas? Ouais, pour un mec qui est mort, on va peut-être pas partir sur un concours de baffe. On va juste lui tousser dessus. Voilà. Ça, j'ai récupéré 15 pev. Lui, il est pas frais, machin. Moi, ce qui m'arrangerait, c'est de bloquer au niveau de mon voleur. Voilà, je fais blocage. Ah, vraiment. Vraiment, le niveau de bravoure. Ça, c'est même pas mal. Mais si, en fait. Attends, mais le nain, tout ce qu'il prend comme coup critique dans la face, quoi. Hop, tu la vois, ma capuche? Ça va être chaud d'y aller. Il faut quand même en tuer de plus de deux par tour. Hein. On en est là hein, dans l'idée. Hein. Ok, le retour du barbare. Et ben tu vas me le barrer barre. Hein. Et ben il est pas mort. Il fait une bonne grosse résistance, mais il est pas mort. Très bien. Wow, j'ai autant de moves avec mon barbare. Well, let's go. Hein. On va avancer. Hein. Mon voleur, bon, tue-moi ce machin. Voilà. Et bien surtout, ne bouge point. Ah, même pas mal. En effet, même pas mal. Je vais quand même partir sur l'idée de tu consommes une popo. La bière, c'est meilleur. Je suis d'accord. Salut. Alors, je pourrais soigner, mais là, il y a quand même. Il y a quand même une petite boule de feu à mettre là-dedans, non? Je vais peut-être d'abord soigner. Bon, on a de la marge, hein. C'est une bonne healeuse. J'ai un peu de marge. Tue-moi ce truc-là. Il est pas mort. Hey,
Putain, il s'acharne sur le nain. Ça va qu'il est solide, le garé, non? Qui veut prendre sa torgnolade? Voilà. Vous avez pris une torgnolade. Vous fera les pieds. Oh, ça y fait enfin des parades et des esquives, c'est impressionnant. Bon, là, il va peut-être falloir soigner là. Oh mais putain. On est au secours. Je peux pas consommer ma popo, putain. Ça c'est un peu chiant, non mais ça fait une flèche spéciale juste pour tuer un crétin là. Ok. Oh, moi je pense à deux, ils me font un truc sympa là. Voilà. Et je peux aller provoquer ce gars-là. Ok, alors mon voleur il est coincé ici, mais soit. Juste que j'avance d'une case et je suis dans le gars. Let's go. Il y en aura pour tout le monde. Oh là là. Le tourbillon de Warzard qui vont se taper. Si je peux le sortir. Parce que je suis pas sûr qu'en termes de mana. Là je vois là-haut l'énergie astrale de ma sorcière, c'est pas glorieux. -86, ça commence à être très moche. Oh putain, le savatage au sol quoi. Oh, c'est tellement en train de me le pourrir. De l'acide. Est-ce que ça me le détruirait totalement? Vraie question. Vas-y, envoie. On verra bien. On dirait qu'il sort d'une grosse apurin. Hop. Soin, je l'ai pas encore. Allez, let's go, faut tuer des gens là. Je les ai tous mis à cramer là, à un moment donné, il y a peut-être un qui va bien vouloir mourir. Peut-être qu'il y a un qui va avoir la politesse de passer l'arme à gauche. Ma magicienne, bah c'est ça, elle a plus de mana du tout, donc let's go. Et bah, première fois que j'utilise une potion de mana. Ça me rappelle les cours de potion avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Ok. Achever un ennemi me donnerait tout de suite la possibilité de rejouer. Mais je n'en ai pas la possibilité. Je suis à plat aussi, c'est ça? Plus d'endurance, 50 d'endurance, ouais, c'est ça, je suis à plat aussi. Alors, c'est quoi? Même pas. File ta popo à l'ogre. Les grandes popos, elles sont déjà trop petites, quoi. Au secours. Ah!
Ok, donc bon, on est sur du savatage quand même bien énervé. Je vais quand même profiter pour finir celui-là. Et je vais pas m'emmerder, je vais le projeter au sol. Ça. Et dégage. Ça, même s'il meurt pas, voilà. Il est gratos au moins pour un voleur, par exemple. Ils ont du perce armure quand même, ils sont bien les mecs. Hein. C'est des bons gars. Ah oui, c'est une arme, c'est une attaque à distance, je peux commencer. Les orques, c'est dangereux, il faut une bonne tactique. Vas-y, tu vois. Ah bah, il est tombé par terre dans les flammes. Voilà. Tu croyais quoi, qu'un nain s'est pas bougé? Un coup plein d'espoir, ce sera pas nécessaire. Ça, ça donne du soin et de la régénération de la magie. Non mais vas-y, ça va, attendre mec par terre en vrai, là je suis en train de chipoter. Tue des gens. Mon merde. C'est assez exact. Il faut dire ce qui est, c'est relativement... c'est pas vraiment faux, quoi. Oh, la gifle de Namzar, let's go. Oh, la sale journée. Oh, la très sale journée qui vient de se prendre. Et tu bougeras pas de derrière. Voilà. Où est-ce qu'on tape? Ah bah, tu m'attrapes le premier connard qui te passe sous la main, tu me le massacres. Genre, lui, il s'appelle premier connard qui passe sous ta main et tu me massacres. C'est son nom très précis. Voilà. Ouais, tout à fait. Hein. Tac, 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 tac. Vous m'excuserez. Un petit coup de couteau, monsieur. Juste dans le flanc. La pourriture. Voilà, exactement. 98%, ça me paraît très bien, ça. C'est-à-dire qu'on l'achève avec le nain. J'aime pas trop l'idée de je vais gifler mon barbare dans la lancée. Ah mais je peux pas, je peux même pas. Ok, parfait. Deviens chiantos, ouais, ok. Maudit Nabo ! Hein ? Mais c'est un genre de cul là, celui là-bas. Contre. Dès que tu mets pas le perce armure, tu lui fais plus rien au nain. T'es pas très frais, on va peut-être pas faire une dinguerie. Je lui fais des dégâts quand même. Ah ouais. Ah ouais, c'est marrant ça. Cale-toi un jambon dans le buffet quand même. Mon petit pote. Hein. C'est vraiment, on est pas bien. C'est qui les derniers à jouer là? Et ah, lui, donc ouais, non, s'il y a quand même lui là. Donc moi je me suis envoyé un jambon dans, la, dans le bec. Et ben tu sais quoi, loose bec. Ouais, l'autre
naze, il veut faire de la résistance. Ouais, vas-y, hein. Résiste, hein. Prouve que t'existes. Hein. Et ouais, super, tu m'auras scotché un tour de plus. Hein. Bien joué, mec. Tu sais quoi, j'ai envie de t'humilier, mais au close, quoi. Mais je vais pas faire ça. Je vais me placer là. Et je vais plutôt m'intéresser à lui. Quoique. La magicienne joue, même. Ah, ma magicienne elle a de la magie, donc non, vas-y. Dégage-moi ça. J'aime pas les orques. C'est encore plus laid que les nains. Tac, soigne-moi mon ogre. Mais quelle caisse à point de vie, l'ogre. Il est devenu insoignable. Faut dire qu'il est devenu intuable. Et ben, on part sur un petit barrage en acier. Ah oui, mais non, excusez-moi, il y en a un dans l'eau, c'est mon pote quand même. Alors, sinon, on part juste sur une gifle de base. Hein. Voilà. Juste. Ça dégage. Terminé. C'est vrai que je pourrais devenir furtif. Mais je pourrais aussi assister mes potes avec juste une flèche, quoi. Genre comme ça. Tac. Raté. Bon, bah voilà. C'était méga super bien. Merde, oh, mais ça pique! Chrome. Par Chrome. Attention. La précision ogre est en cause. ...67 dégâts quand même, hein. Ça cogne un peu. Putain, je me reprends encore deux de plus, hein. Les journées vont être très longues. Je vais me replacer ici et je vais re-soigner mon ogre. Encore. On le remet bien à fond, comme il faut. Tac, tac, tac. J'aurais besoin du soin d'une elfe par ici. Une attaque à base de bisous. Ça va mieux. Barrage d'acier ici, il est inutile. Coup terrifiant, pourquoi pas. Coup terrifiant, est-ce que je peux forcer toi, par exemple, à flipper ta race? Mais il se fait pas attaquer, il passe dans la zone des autres, mais il se fait pas attaquer. C'est... Vous voulez me rendre mazette en fait, les gars, vraiment. Des orques, par Chrome, on va leur latter la gueule. On va leur latter la gueule, c'est clair. À qui je vais péter la gueule là, toi. Ici, t'as un archer. Il y en aura pour tout le monde. Aïe. Boule de feu. Bon, boule de feu. Lemon. Allez, bonne journée. Ça, je me casse. Putain, ce combat, quoi. Je vais repayer 300 balles de taverne après, à mon avis. Hein.
Ah oui, dégage. Vous connaissez la blague de l'orque bourré? Alors, non, mais on adorerait la connaître, bien sûr. Tac, 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 j'avance mon elfe. Est-ce qu'elle le craint pas trop, finalement? Ah, j'ai déclenché un berserk. Je suis pas sûr que ce soit un bon deal. Ouais, bah tu vas juste me caquer celui-là, hein, tranquille. Hein. Ah, j'ai besoin de personne. Ah si, tiens, vas-y, viens ici. T'en prends une, mais t'allumes cette lumière. Je sais pas si ça les a fait vivre vraiment. Peut-être que nous le saurons jamais d'ailleurs. Ma magicienne, j'étais encore à plat. Faut sortir du 50. 30, si je peux sortir du 30. Je peux sortir du 30 et surtout je peux sortir du soin. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'ils ont encore des renforts qui arrivent au tour prochain? C'est la... toute la question est là. Ouais, tu m'emmerdes parce que tu m'empêches de jouer et il est hors de question que je me refuse de jouer. Voilà, donc moi je vais aller là avec mon ogre et je m'en fous. Je pouvais encore jouer normalement. Même pas mal. Il m'a supprimé une action. Non. Le jeu aurait pas été malhonnête comme ça. Si. Le jeu est très malhonnête comme ça. Meurs. Non, c'est trop loin. Hop. Ah, rien de tel qu'une bonne bataille en sous-sol. Ah, j'aurais pu soigner mon voleur, hein, j'abuse aussi. Dans ta gueule. Ok, Oh, viens ici, ouais. Avance tout ce que tu peux avancer. Et puis tue-moi ce connard et on n'en parle plus, quoi. Eh, tiens, prends-toi un revers, là. Allez, ça dégage. Soigner un voleur. Let's go. Ah mais il n'y a plus beaucoup de vie non plus sur mon barbare là. Faut que j'y pense à ce détail technique là. Ouais, vas-y déplace-toi. Qui c'est le prochain à jouer? Toi là-bas, prends-toi une bouse dans la gueule. 91%, il a gagné une précision de dingue.
Meilleur lanceur de crâne. L'épisode va être ultra long. Il est déjà ultra long. C'est comme les orques, mais en plus moisi. Certes. Non, juste abasser de base. Hein. Pas ouf. Bon, ça par contre. Ah, je peux pas. Je suis trop loin. Tac, 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 tac. Ça par contre, hein. Hop là, range-moi tout ça là-bas. Du soin sur mon barbare. Baston, on va se le garder pour le prochain. Gifle-moi celui-là. C'est grâce à mon brillant commandement. Ouais, je vais me placer là-dedans. Yep. Je vais vous forcer à venir chercher mon barbare. Tac, tac, tac. Toi, tu vas pas bouger. Ah bah putain, je te tue si je te jette ça. Oh, vas-y, hein. Jette-lui des clous. Tu es mort de petits clous. Voilà. C'était vraiment pour rigoler. C'est parti des trucs débiles pour voir s'il y a des succès ou des machins. Mal. Très drôle. Tu déboîtes des poneys. Mettre main, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous voulez bien me pousser cet opportun? Dégage. Tout fait au nain. Ça sera pris combien? 2-3 coups critiques dans la tronche, 2 échecs critiques je crois, un truc comme ça. Il aura tout pris dans ce combat. Un ogre. Un ogre, ça trompe énormément. Je peux pas faire grand chose. Pas aller voir le nain. Et il balançait un peu de charcutaille dans la gueule. Là, mon pote le nain, ça me régale. Ok. Prochain tour de combat, donc il se passe des choses dramatiques. Voilà. Prends une action de plus. Et ici. Et active ce levier. Il me reste donc plus que les connards encore présents. Et on sera bon. Ouais, vas-y, tue-moi celui-là. Hein. Mon merde. Je suis d'accord. Feu. Je suis d'accord pour que tu restes ici. Tac, tac, tac. Il vient dans son dos tranquillement. Tu lui la tasses les côtes. T'as la colonne vertébrale, pas plus exact. Bah toi tu restes ici, tu sais quoi, en vigilance. Pas direct. Mon ogre, t'en profites pour passer sur la ligne. Tac, feu là-dessus. Tu bouges pas. Tu n'as pas de coup de brave, tu n'as rien de disponible, c'est pas grave, gifle-le. Bien sûr, tu es nul. Que pouvons-nous espérer de mieux? Je vous le demande. La réponse est, on sait pas. Mais on ne l'aura pas. Tac, tac, tac. Et donc là, une petite baston dans les côtes. Voilà, c'est comme ça qu'on fait en groupe. Mon arbalétrier, hop là, feu là-dedans. Ah.
Hep. Okay. Ah. Donc, wow, à un moment j'ai cru que j'étais au paradis des nains. Oui. Hop. Hop. Victoire. Ah, c'est pas trop tôt. Targurdi les Goltor. Victoire. Qui a mal au doigt? On va soigner l'ogre. Bien l'ogre. On prend seulement à soigner. À la fin du combat. Hop. On peut péter les îles. On fait vraiment péter les îles comme des gros sourds. Ouais ouais, bouge pas. Tac. T'approche pas trop près. Ouais, 30, je sais pas ce qu'il faut. Yes. On part sur un petit coup terrifiant. Il était terrifiant ce coup. Le ranger gagne un niveau. Eh ben c'était long hein. Eh ben on va pas passer de la taverne hein, on va partir, c'est... Ah oui, elle a perdu un point de vie, vas-y. Ouais, ça a pas bon goût les potions. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Ah, j'ai plus de petite popo. Si, 11 là. Attends. Ah non, j'ai des très grandes aussi, ok. Ah, j'avais soif. Ok, de galadriette. Ok, d'accord. Bon, on a du stuff, mais on verra tout ça sur l'épisode, le prochain épisode. C'était Clairefonction, comme d'habitude, gaming pour le donjon de Nullbuck. Fais des bisous.